marche comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de notre puissant et sauveur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Je suis accompagné du frère... Le frère toxique, alias Ray Gaïka. Et nous avons aujourd'hui encore la joie de nous retrouver sur ce plateau afin de... d'entamer la seconde partie en ce qui concerne le démon du mois de mars. Ainsi, nous allons prier le Seigneur afin de lui recommander ce moment. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te bénissons ce matin pour cette grâce que tu nous as accordée d'être compté parmi les vivants pour raconter ta gloire. Voici maintenant que nous sommes là dans notre lieu habituel pour parler de ta part des choses liées à ton royaume. Christ, roi, nous te consacrons tout ce moment que nous allons passer ici autour de ta parole. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et qu'il nous donne la capacité, Seigneur, de nous exprimer librement pour honorer ton nom. Seigneur Père, ouvre notre entendement spirituel. Seigneur, ouvre tous nos sens prophétiques pour que nous soyons en parfaite communion avec toi ce matin. Seigneur, ouvre ce lieu par ton règne, ton pouvoir absolu, maintenant et à jamais. Nous condamnons toute mauvaise langue qui pourra se lever contre nous maintenant. Nous condamnons, Seigneur, tous les traits enflammés de l'ennemi. Jésus, nous neutralisons, Père, toute activité maintenant qui pourra s'opposer à ce moment, au nom puissant de Jésus, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Touche tous ceux qui vont nous suivre maintenant et plus tard. Donne-leur la compréhension d'en haut et révèle-toi à chacun de nous maintenant pour l'honneur et la gloire de ton nom, Jésus. Merci Seigneur pour ton règne. Merci Jésus pour les merveilles que tu vas accomplir, que la gloire te soit rendue. Que ton esprit soit notre partage, que ton esprit nous oriente au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors bien-aimés, nous disions dernièrement que le mois de mars est dirigé par plusieurs esprits, parmi lesquels le démon Mars, qui est le dieu de la guerre, le dieu de la violence. Nous avons parlé de lui en long et en large. Et nous avons fait comprendre que ce n'est pas le démon Mars qui a le monopole sur le mois de mars. Quoi qu'il soit aussi un démon qui agit dans ce mois, mais lui, il n'agit que de manière complémentaire. Car dans le royaume de Satan, il y a un démon particulier à qui Satan a confié le pouvoir de gérer ce mois de mars. Et ce démon qui gère le mois de mars dans le royaume de Satan, il a un nom. Il s'appelle Brahma. Le démon du mois de mars s'appelle Brahma. Qui est Brahma? Brahma, dans l'hindouisme, c'est-à-dire dans les religions de l'Inde, Brahma est considéré là-bas comme étant le dieu créateur. En Inde, on le considère comme le dieu créateur et il fait partie de ce qu'on appelle la trinité indienne, qui est encore appelée la Trimurti. La Trimurti qui est composée de Brahma, le dieu créateur, et de Vishnu, le dieu de la conservation, et Shiva, le dieu de la destruction. Voyez-vous, dans le monde religieux de l'Inde, le démon Brahma est considéré comme étant la force créatrice,
comme étant le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui existe, comme étant le Dieu par qui tout a été créé et tout existe. Voyez-vous? Or, comme nous ne cessons de l'expliquer depuis le début de nos enseignements sur les démons mensuels, nous sommes en train de faire comprendre ici, je le rappelle encore, chaque démon a un rôle à jouer dans le monde de Satan. Mais en ce qui concerne certaines activités sataniques, certains démons sont vus dotés ou ajoutés des nouvelles fonctions dans leur fonction principale. C'est comme ce démon Brahma, dans le monde religieux mystique de l'Inde, il est considéré comme le Dieu créateur, disons comme le père de tous les dieux. Mais dans sa fonction mensuelle, il joue le rôle du démon ou du patron du mois de mars. Le démon Brahma, bien aimé dans le Seigneur, vous tous qui êtes en train de nous suivre présentement, il est représenté par une personne ayant quatre bras. Une personne ayant quatre bras. Deux fois même, il est représenté par une personne ayant quatre têtes et quatre bras. Si vous tapez sur Internet, faites des recherches sur l'image de ce démon ou du dieu Brahma, vous allez le voir. Et souvent, certains le confondent avec Satan. Certains pensent que le démon Brahma, c'est lui Satan. Non, ce n'est qu'un démon parmi les démons. Et c'est plus ce démon Brahma que dans le monde mystique qu'on appelle souvent l'esprit universel ou la force cosmique, ou encore, dans d'autres termes, d'autres mystiques l'appellent le grand architecte de l'univers. Voyez-vous, étant donné que ces mêmes titres sont également appropriés ou Satan se révèle aussi au travers de ce titre, alors les gens le confondent à Satan. Mais attention, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan, c'est-à-dire le serpent ancien, non. C'est juste un démon qui se fait passer pour Satan. Mais il n'est pas Satan en tant que tel. Voilà concernant le démon du mois de mars qu'on appelle Brahma, un dieu à quatre bras. Alors, quel est donc le rôle de ces quatre bras de ce démon? Bien aimé, les quatre bras de ce démon sont les quatre signaux ou encore moyens de communication qui relient les quatre points du monde à Satan. Vous savez qu'il existe dans le monde ce qu'on appelle les quatre points cardinaux ou encore les extrémités de la terre. Pour ne pas rentrer dans l'ignorance de certains contradicteurs de la Bible qui, lorsqu'ils entendent la Bible employer le mot extrémité de la terre, ils emmènent dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas, que d'après eux, la Bible aurait dit que le monde ou la terre serait carré. Ce qui est faux, parce que même lorsque vous prenez un cercle a ses extrémités. Nous l'avons tous étudié en mathématiques. Une extrémité ne veut pas forcément dire quelque chose de carré ou quelque chose d'aigu. Non, ce sont des côtés. Lorsque vous prenez un cercle qui est tout rond, vous allez remarquer que le cercle a quatre côtés. Et ce sont ces quatre côtés que nous appelons extrémité d'une chose, ou encore, en d'autres termes, concernant la planète Terre, nous parlons des quatre points cardinaux. Voyez-vous? Et ces quatre bras dominent ou influencent le quatre points cardinaux de la Terre. Donc, ça joue le rôle d'un serveur informatique central au moyen duquel ce démon Brahma communique à Satan, communique au monde des ténèbres les informations concernant ce qui se passe sur la Terre, concernant son domaine par rapport à ce rapport du mois, étant dans sa fonction du démon du mois de mars. Ainsi, au moyen de ces quatre bras, le démon Brahma communique à Satan des informations
informe Satan des réalités qui se passent sur la terre. Pour rappel, ces quatre ors, dans les quatre coins de la terre, c'est-à-dire dans les quatre points cardinaux, Satan a également placé quatre principaux démons qui veillent sur ces quatre points cardinaux. Lorsque nous parlons des points cardinaux, nous savons qu'il s'agit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ce sont les quatre points cardinaux. Et nous vous informons que ces quatre points cardinaux ou ces quatre extrémités de la terre sont également assujettis à quatre démons. Ainsi, l'assujettissement de ces quatre coins de la terre à ces quatre démons par Satan ne sont rien d'autre qu'une copie-collée que Satan fait ou a fait en copiant ce que Dieu a fait. Ainsi, bien-aimés, nous allons lire Apocalypse 7, verset 1. Nous allons comprendre que Satan ne fait qu'imiter ce que Dieu fait, tout en déformant et en polluant l'œuvre de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse 7, verset 1. Lisons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Amen. Donc, le livre de l'Apocalypse ici, quoique nous décrivons les événements qui vont s'accomplir après l'enlèvement de l'Église, nous informe que aux quatre coins de la terre, il existe des anges de Dieu que Dieu a placés là. Et ces anges ont des missions à jouer. Ainsi, ces anges, moi je les nomme souvent par des anges cardinaux. La première fois que je vis ces anges cardinaux, c'est, je crois, courant fin 2018 ou début 2019. Je crois que lorsque je reverrai mes notes pour voir la date, je reviendrai vers vous pour vous donner cela. C'était un jour de dimanche. J'ai vu cela en plein culte. Nous étions arrivés, c'était autour de 8h30, puisque notre culte commençait à 9h pile. Donc, avant 9h pile, on avait 30 minutes de préparation. On passait un moment d'intercession pour préparer le culte. Ainsi, puisque c'est moi qui étais le modérateur du jour, le président du culte du jour, et c'est également moi qui était en train d'animer cette intercession. Et pendant que nous priâmes, quelque chose va se passer. Je vais avoir une vision sur le champ. Je vais constater que, aux quatre extrémités de l'église, à l'intérieur de l'église, deux, quatre anges vont apparaître. Ils étaient vêtus des robes blanches, mais ils n'avaient pas des ailes. Ils étaient là, et lorsque ces anges vont apparaître, il n'y avait que moi qui les voyais. Les restes des serviteurs qui étaient à l'église ne les voyaient pas. Alors, au fur et à mesure qu'on était en train de persévérer dans l'intercession, les quatre anges s'avançaient au même rythme et, je pourrais dire, comment expliquer cela, au même rythme et au même moment. Ils étaient en train de se rapprocher. Et lorsqu'ils se rapprochaient, et ils étaient géants. Et lorsqu'ils se rapprochaient, ils se rapprochaient, ils se rapprochaient. Je vais constater une chose, c'est que, à un moment donné, ils vont s'arrêter à un certain niveau. Et tout l'intérieur de l'église va se retrouver au milieu d'eux. Donc c'est comme si, et les quatre coins de l'église, et nous qui étions à l'église, et tous ceux qui étaient à l'église se sont retrouvés au milieu de ces quatre anges. Donc, ces quatre anges nous ont entourés. Donc, c'est comme si tout le culte qu'on faisait, eux, ils jouaient le rôle de gardien. Nous étions comme au milieu d'eux. Et au fur et à mesure que nous étions là, on continuait l'intercession, je continuais à donner le sujet sur l'intercession. Alors, ces anges vont me donner des passages bibliques. Ils vont me donner des passages bibliques.
Et comme dans notre église, il y avait un tableau à côté, l'un d'eux va regarder le tableau simplement en fixant le tableau. Il va écrire, par son regard sur le tableau, il va écrire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il va établir ça ainsi. Et il va mettre les passages bibliques à côté. Et parmi les passages bibliques qu'il avait mis à côté, il y avait Exode 19 qu'il avait mis à ce côté-là. Et cet ange me dit, lisez cela, priez en rapport par rapport à cela. Après un moment donné, dès que l'intercession est terminée, ces anges ont disparu. Et j'ai fait part de la vision aux serviteurs et ministres de Dieu qui étaient là. Voilà, bien-aimé, comment ai-je découvert ces anges appelés anges que moi je nomme anges cardinaux. Ainsi, dans Apocalypse 7, on nous parle des quatre anges que Dieu a établis pour gérer les quatre extrémités de la terre, c'est-à-dire les quatre points cardinaux. Ainsi, Satan n'a fait que imiter Dieu. Satan imite Dieu en établissant de son côté également quatre démons qui doivent gérer ces quatre points cardinaux. Alors, le nord, on va le dicter directement. Le nord est dirigé par un démon qu'on appelle Magowa. Je reprends. Le nord est dirigé par un démon qu'on appelle Magowa. Magowa. M-A-G-O-A. Qui dirige le nord, Magowa. Le sud est dirigé par le démon Égim le Grand. Le sud est dirigé par le démon Égim le Grand. L'est d'abord. L'est est dirigé par le démon Amaïman. L'est est dirigé par le démon Amaïman. Je reprends. L'est est dirigé par le démon Amaïman. Amaïman s'écrit A-M-A-I-M-O-N. A-M-A-I-M-O-N. Amaïman. Et l'ouest est dirigé par le démon Bahéman. L'est ou l'ouest est dirigé par le démon Bahéman. Bahéman s'appelle B-A-E, accent M-O-N. Voilà les quatre démons cardinaux qui dirigent les quatre points cardinaux ou les extrémités de la terre. Alors, le rôle de ces quatre démons cardinaux est de renforcer le pouvoir de Satan sur la terre, renforcer le mal sur la terre. Ainsi, nous allons lire deux passages qui vont nous amener à comprendre ces deux esprits, plutôt ces quatre esprits. Prenons Éphésiens 6. Éphésiens 6 nous dira quelque chose. Prenons le verset, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. L'apôtre Paul nous informe ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ainsi, les quatre démons qui gèrent les extrémités de la terre sont inclus dans les esprits méchants qui siègent dans les lieux célestes. Donc, ils ont pour mission, pour rôle, de renforcer le pouvoir du mal sur la terre. C'est-à-dire de renforcer le mal sur la terre. Parce que ce sont eux qui gèrent les quatre éléments également de la nature. Que dans le monde mystique, qu'on appelle les quatre élémentaux.
C'est un langage mystique, on appelle le quatre élémentaux, mais nous, nous appelons cela les quatre éléments de la terre, autrement encore appelé les quatre éléments de la nature, qu'on appelle l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc, l'eau, le feu, la terre et l'air. Ce sont ces esprits qui polluent ces éléments-là, ce monde, ces quatre éléments. Mais nous aurons le temps de parler des quatre éléments de la nature. Nous en aurons le temps de parler. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, ces quatre éléments qui gèrent les quatre points cardinaux, d'après certains occultistes, ces démons ont des gros yeux. Ces démons ont des gros yeux, des yeux vraiment kilométriques, s'il faut dire ainsi, qui leur permet de voir les choses qui se passent sur la terre. Ces démons. Nous allons encore comprendre le rôle de ces quatre démons qui gèrent les quatre points cardinaux. On va lire dans Job 23, Job 23, du verset 8 au verset 11. Job 23, du verset 8 au verset 11. Qu'est-ce que Job nous explique? Job dit ceci. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Qui? Dieu. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi, c'est-à-dire au sud? Je ne puis le découvrir. Si je prends le verset 10, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Voilà les paroles que Job déclare. Ces paroles, lorsque vous lisez, vous comprenez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Job ici, en se référant à ce malheur, explique à ses amis qu'il n'avait pas péché, que étant ainsi, s'il allait chercher Dieu dans tous les quatre points cardinaux, il ne le trouverait pas. Dieu ne pouvait pas être là-bas. Mais Job parlait de quoi? Vu sa souffrance, Job faisait allusion à ces esprits qui renforcent le mal. Comme pour dire, je ne peux pas aller voir ces esprits. Parce que si je vais là, je ne trouverai pas Dieu. Parce que Dieu, quand même, Dieu sait lui-même que je lui suis fidèle en tout et pour tout. Voilà, bien aimé, le rôle de ces esprits, de ces démons cardinaux. Ainsi, le Dieu Brahma a quatre bras. Donc, il se connecte à ces quatre démons cardinaux pour mieux s'informer et pour mieux s'organiser et gérer son mois de mars afin, en retour, de faire ce rapport à Satan, le diable, dans le monde des ténèbres. Voilà le rôle de ce démon qui agit ainsi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le 1er mars, dès que nous sommes arrivés le 1er mars, dans la nuit, autour de 4 heures du matin, le Seigneur s'est révélé à moi pour m'expliquer ce que je vais vous expliquer concernant l'émission que ce démon Brahma a reçu de Satan pour ce mois de mars de l'année 2022. Je reprends. Le Seigneur Jésus, le 1er mars, aux environs de 4 heures du matin, dans un songe, m'est apparu pour me révéler les choses que je vais vous communiquer tout à l'heure. Le programme de ce mois de mars 2022 que le démon Brahma doit exécuter. La première des choses que le Seigneur m'a dites est celle-ci. Que Satan n'a rien fait de nouveau, sinon que copier ce que moi, Dieu, j'ai eu à faire dans Exode 12, du 1er au 6e verset. Et le Seigneur me dit que la première mission que ce démon
Brahma, le démon de Mars, a reçu, c'est quoi? C'est d'amener les gens, de libérer les gens de l'indépendance. Non, de libérer les gens de la dépendance divine pour les amener à la dépendance satanique et à l'esclavage satanique. Je reprends. Le Seigneur dit, la première mission que ce démon de Mars, Brahma, a reçue, c'est de libérer les gens de la dépendance divine pour les amener à la dépendance satanique et à l'esclavage satanique. Voilà la mission que le démon Brahma, le démon du mois de Mars, doit exécuter. Alors, bien-aimés, si vous remarquez bien, dans cette mission, autrement dit, de ramener les gens à dépendre de Satan et à être esclaves de Satan, vous allez remarquer que dans Exode 12, du 1er au 6e verset, c'est la même mission que Dieu était en train de donner à Moïse concernant la libération de son peuple Israël sous la dépendance égyptienne et de l'esclavage pharaonique. Donc, si hier, au mois de mars, rappelez-vous que Exode 12 est le verset dans lequel nous voyons l'institution du calendrier juif d'après Dieu. Et d'après Dieu, le calendrier juif commençait au mois de mars, que les Juifs appelaient par le mois de Nissan ou le mois d'Abib. Ainsi, si hier, Israël a été libéré de la domination et de l'esclavagisme pharaonique, c'est-à-dire satanique. Aujourd'hui, Satan fait une volte-face contre Dieu. Satan utilise le même passage pour exécuter la même mission, les mêmes réalités, mais cette fois-ci de manière inversée. Au lieu de libérer le peuple de Dieu de la dépendance pharaonique et de son esclavage, Satan va maintenant les reprendre pour les ramener sous cette indépendance-là. Voilà, bien-aimé, les missions, la première mission que le démon du mois de mars doit accomplir dans ce mois de mars. Ainsi, dans cette activité de ramener les gens dans la dépendance satanique et dans l'esclavagisme démoniaque, vous allez remarquer une chose. La première élément, c'est que il y a l'exploitation pharaonique. Qu'est-ce que l'exploitation pharaonique? Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, ils subissaient cette exploitation. Ils étaient exploités en faveur de Pharaon et en leur défaveur. C'est-à-dire, Israël était obligé de ne pas jouir du fruit de son travail. Car vous savez bien ce que Exode nous décrit, c'est que le peuple juif était acharné dans le travail, était acharné dans leurs œuvres en Égypte. Ils sont parmi ceux qui ont bâti les monuments égyptiens, qui ont bâti les villes égyptiennes, qui ont bâti. Ainsi, comme il est dit de nature que l'ouvrier mérite son salaire, autrement dit, le fruit de son travail. Mais Pharaon n'a pas permis au peuple juif de jouir du fruit de leur travail, de bénéficier de leur salaire. Mais au contraire, il ne voulait que les exploiter à fond, c'est-à-dire amener le peuple de Dieu à travailler pour faire progresser ses œuvres, faire progresser ses activités. C'est ce que nous appelons par l'exploitation pharaonique. Ainsi, nous constatons que Israël travaillait dur, non pas pour son bénéfice, non pas pour son développement, mais pour celui de l'ennemi. Et en retour, lui-même ne bénéficiait de rien. Et le Seigneur dit, c'est la même réalité qui va se passer dans ce mois de mars. Les gens vont travailler, mais les gens ne joueront pas du fruit de leur travail. Parce que le démon du mois de mars
a reçu la mission de ramener les gens sur cette exploitation pharaonique. De sorte que vous allez remarquer qu'autour de toi, tu auras à faire des travaux, mais les gens pour qui tu vas travailler ne vont pas te payer. Lorsque tu vas constater ça, mon frère, ma sœur, communique l'information aux autres, à tes voisins et autres. Ne te mets pas à te plaindre. Ne rentre pas dans le piège parce qu'il sait que lorsque tu vas commencer à murmurer, lui sait que les murmures vont t'amener à t'éloigner de ton Dieu parce que ton Dieu t'interdit de murmurer. Ainsi, quelle est donc l'attitude que tu dois prendre lorsque tu vas constater que tu deviens exploité par ton patron, tu deviens exploité par ton payeur, frère, sœur, même si c'est dans l'église. Lorsque tu vas remarquer que tous les efforts que tu fournis sont multipliés à zéro à la fin, ne te fâche pas. Rentre, va prier Dieu. Toi, en retour, fais une prière de contre-révolte. Si l'ennemi veut t'exploiter, déclare que tu n'es pas né pour être exploité, mais tu es né pour jouir de tes exploits. Proclame cela, dit Seigneur, en vertu d'Exode 12, versets 1 à 6, où tu as montré que le peuple, ton peuple, doit jouir de ses bienfaits. Proclame, je refuse d'être exploité, je dois jouir de fruits, du fruit de mon travail. Tu proclames que la Bible rassure même, bien-aimé, je pense, dans Psaume 60, verset 14, à moins que je me trompe, où il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le seul remède que le Seigneur donne lorsque l'exploitation pharaonique va s'imposer à nous, bien-aimés, c'est de prier, de revendiquer le droit, notre droit à la jouissance de nos travaux ou de nos activités. Le deuxième élément, le Seigneur ajoute, toujours concernant la dépendance satanique et l'esclavagisme satanique. Le Seigneur me dit ceci. Il y aura, le démon Brahma va imposer aux gens des caractères néfastes. C'est le mot que le Seigneur a utilisé. Le démon Brahma va imposer aux gens des caractères néfastes. Lorsqu'on parle des caractères néfastes, il s'agit des caractères qui sont, comme a dit le Seigneur, liés à l'esprit de masse, c'est-à-dire à l'esprit guerrier. Et le Seigneur a cité la colère, la violence, manque de maîtrise de soi, la haine, la vengeance, la criminalité, etc. Je reprends les éléments que le Seigneur a cités, les caractères néfastes que le démon va imposer aux gens. Il y a la colère, la violence, le manque de maîtrise de soi, la haine, la vengeance, la criminalité, etc. Donc, bien aimé, le deuxième élément pour le démon de Mars, le démon Brahma, pour nous assujettir au pouvoir de Satan, c'est qu'il va inculquer en nous des comportements mauvais comportements, la haine, la jalousie, la violence, manque de maîtrise de soi, simplement pour un objectif. Lorsque j'ai médité sur ce que le Seigneur expliquait, j'ai compris que ces caractères néfastes que le démon de Mars, le démon Brahma va imposer aux gens ne sont autres que des comportements qui sont contraires aux comportements que le Saint-Esprit imprime chez les enfants de Dieu, que nous avons souvent l'habitude d'appeler les fruits du Saint-Esprit qui nous sont décrits dans Galates 5, je crois, le verset 22. On cite ces fruits de l'autre côté, à moins que bien aimé je me trompe. Ce sont ces fruits que Satan veut combattre dans ce mois de mars. Écoute bien aimé. Dans ce mois de mars, ne te laisse pas emporter par la colère, par l'animosité, par le manque de maîtrise de soi, ou par une jalousie excessive, ou par un esprit de vengeance, ou par la criminalité. Peu importe ce que tu pourras rencontrer comme situation, le Seigneur te demande, face aux réalités, aux situations que tu vas rencontrer, n'ouvre pas la porte à Satan, mais résiste Satan avec les fruits de l'esprit.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur, pour finir cette première mission, le Seigneur m'a dit ceci. Le 3 mars, pour nous qui sommes dans le calendrier satanique, le mois de mars, c'est le troisième mois. Il me dit, mais dans le calendrier juif, c'est-à-dire hébraïque, il dit, le troisième mois, c'est le mois de la construction. Il dit, c'est le mois de la construction. J'ai vérifié que le troisième mois chez les juifs, c'est le mois qu'on appelle le mois de Sivan. Et j'ai voulu rechercher la signification de Sivan. J'ai constaté également que, effectivement, que Sivan signifie construction. Et j'ai béni le Seigneur. Pour dire que, bien-aimé, dans ce mois de mars, excusez-moi, puisque c'est pour nous, Satan nous l'impose comme étant le troisième mois, à nous donc de prendre les caractéristiques du troisième mois hébraïque et de l'appliquer dans ce troisième mois de mars, pour que ce mois de mars soit pour nous, peuple de Dieu, un mois de construction. Lorsqu'on parle de construction, ça veut dire qu'au départ, il y a un néant. Ça veut dire qu'au départ, il n'y a rien. Parce que construction veut dire que nous voulons rentrer dans une nouvelle ère. Nous voulons rentrer dans un processus du renouveau. Autrement dit, nous voulons débuter quelque chose. Nous voulons nous introduire dans le commencement, autrement dit, dans la création. Or, rappelez-vous que Exode 12 est la récréation du peuple de Dieu. C'est là où le peuple de Dieu se récrée, se reconstruit, afin de maintenant rentrer dans sa nouveauté de vie. Ainsi, le Seigneur me dit de vous partager à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur, que ce mois de mars doit être pour vous un mois de reconstruction, et dans vos prières, vous devez réclamer auprès de Dieu la reconstruction à tout niveau de votre vie. Que tout ce qui est bloqué s'ouvre, que tout ce qui ne marche pas fonctionne. Voilà concernant la première mission du démon du mois de mars, ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a expliqué. Deuxième mission du démon de mars, le démon Brahma. Le Seigneur me dit, c'est quoi? C'est développer l'esprit vampire ou la mortalité précoce. Je reprends. Développer l'esprit vampire ou la mortalité précoce. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que l'esprit vampire? Vous savez, nous avons l'habitude de suivre les vampires dans les films. Nous pensons que c'est un mythe. Non, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Les vampires sont ceux qui se nourrissent du sang humain. Et le Seigneur me dit, en ce mois de mars, le démon Brahma a pour mission aussi de développer cet esprit vampire ou la mortalité précoce. C'est-à-dire, en ce mois de mars, vous allez constater qu'il y aura plusieurs mortalités, il y aura plusieurs événements qui vont faire couler le sang. Et il y aura des morts, des gens qui ne vont pas mourir en leur temps convenable, mais qui vont seront victimes des morts précoces. Voilà, bien-aimés, ce que ce démon va faire. Il va précipiter certaines mortalités, il va développer l'esprit vampire. Les gens vont mourir. Dans ce mois, les gens vont mourir. L'esprit vampire, les gens vont mourir. Et le Seigneur a donné un passage. D'abord, je reviens sur la première partie, première mission, le passage, Luc 1, versets 67 à 75. Luc 1, 67 à 75. Pour la deuxième mission, c'est celle de développer l'esprit vampire ou la mortalité précoce. Le passage que le Seigneur a donné, c'est Apocalypse 12,
du 1er au 4e verset. La troisième mission de ce démon dans ce mois de mars, c'est renforcer l'esprit de l'apostasie dans le monde. Renforcer l'esprit de l'apostasie dans le monde. Ça, c'est la troisième mission que le Seigneur a expliquée pour ce que le démon du mois de mars va accomplir. Et le Seigneur a donné un passage, Romains 1, versets 18 à 23. Qu'est-ce qu'on appelle l'apostasie? Avant de définir l'apostasie, je continue à expliquer. Le Seigneur dit, concernant le renfort de l'esprit de l'apostasie dans le monde, ce démon va pousser les gens à cacher la vérité de Dieu. Deuxièmement, il va pousser les gens à se détourner du vrai culte de Dieu. Et troisièmement, il va amener les gens à se détourner du chemin de la croix. Je vais vous expliquer ce que le Seigneur m'a expliqué sur le chemin de la croix. Voilà, je reprends la troisième mission du démon Brahma pour ce mois de mars. C'est renforcer l'esprit de l'apostasie dans le monde. Et le passage que le Seigneur a donné, c'est Romains 1, verset 18 au verset 23. C'est le passage que le Seigneur a donné. Et le Seigneur a expliqué que dans ce renfort de l'apostasie dans le monde, le démon Brahma va pousser les gens à cacher la vérité de Dieu. Il va détourner les gens du vrai culte de Dieu et il va détourner les gens du chemin de la croix. Voilà, bien-aimés, les missions que le démon Brahma va faire. Quatrième point, quatrième mission. Ce démon va empêcher les gens. Ce démon va empêcher les gens de se voir restituer des années perdues. Les démons vont empêcher les gens de se voir restituer, de se voir restituer leurs années perdues. Je reprends encore. Ce démon de Mars va empêcher les gens de se voir restituer les années perdues. Et là, le Seigneur me dit ceci, que les enfants de Dieu, lorsqu'ils vont prier sur ce point, ils doivent prier de manière à se réapproprier leur droit d'héritage. Ils sont des enfants de Dieu. Et le Seigneur a donné Jean 1, verset 12. Je ne commente pas ici, je suis en train de répéter d'abord ce que le Seigneur a eu à dire. Cinquième mission, le Seigneur dit, le démon du mois de mars va maintenir vos familles dans l'incrédulité. Je reprends, cinquième mission du démon du mois de mars, il dit, le démon du mois de mars va maintenir nos familles dans l'incrédulité. Et le Seigneur donne un verset. Acte 16, verset 30 jusqu'au verset 32. Acte 16, verset 30 jusqu'au verset 32. Voilà, bien-aimés, les cinq missions que le Seigneur m'a révélées que le démon du mois de mars, le démon Brahma, va réaliser dans ce mois de mars de l'année 2022. Voilà les missions que ce démon va exécuter. Et le Seigneur me dit, lorsque nous devons prier, nous devions pour tout le mois de ce mars prier en rapport pour ce mois de mars par rapport à ces cinq missions que ce démon doit exécuter dans le monde entier.
Voilà les points et les éléments de ce mois de mars. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous expliquer le problème sur le chemin de la croix. J'ai été surpris de comprendre comment est-ce que Satan va-t-il, ou le démon de Mars, ou le royaume de Satan va-t-il détourner les gens du chemin de la croix. Automatiquement, cela m'a interpellé. C'est le chemin de la croix. Il s'agit de quel chemin lorsqu'on parle du chemin de la croix? Le plus souvent, le mot chemin de la croix, c'est un mot que nous retrouvons en tant que doctrine dans l'Église catholique romaine, où chaque année, je crois, il y a une date comme cela, où ils proclament des moments de prière appelés chemin de la croix, où on fait balader une croix vide, où il y a un individu qui transporte cette croix, où il y a les fidèles qui sont derrière, en train de suivre, je ne sais pas, ça prend peut-être un mois, ça prend peut-être des semaines, et on va installer cette croix, et au fur et à mesure, les fidèles venus pour la séance vont aller se prosterner sur la croix et faire les cultes sur cette croix-là, quelque chose comme cela. Alors, mais le Seigneur me dit, lui aussi, chez lui, Dieu, il existe un chemin de la croix, mais qui n'a rien à voir avec ce que font les catholiques, parce que ce que font les catholiques, c'est une injure même au chemin de la croix, comme il faut que cela se fasse. Ainsi, nous allons faire un chemin, pour ceux qui sont ici, nous allons faire un chemin pour comprendre le chemin sur l'affaire de ce que le Seigneur m'a expliqué, pour que chacun puisse comprendre.